بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن شريف الاتجاه. C'est avec plaisir et un grand honneur que je m'adresse à tous les étudiants qui auront l'occasion de voir ce que et d'entendre ce que nous pouvons leur dire. C'est un message d'amitié et de fraternité. Nous sommes heureux et fiers du travail entrepris par la Zawiya de Lyon et par les disciples qui y sont affiliés et par le chef Mansour Kamal. Nous espérons et nous souhaitons que Dieu les aide à continuer ce travail de longue haleine. Il n'est pas facile et il n'est pas aisé de pouvoir faire parvenir la vérité au cœur, pas aux oreilles, mais au cœur des gens. Mais avec l'aide de Dieu, du prophète et du Cheikh Tijani, les choses seront beaucoup plus simples, Inch'Allah, et beaucoup plus claires. Nous remercions tous les gens qui, soit Tidjane ou non Tidjane, mais qui s'intéressent de près ou de loin à la tariqa. Nous espérons, je parle en tant que petit-fils de Sidi Ahmed Tidjane. Je vais vous dire la filiation, comme ça vous aurez une idée approximative. On m'appelle Abdel Muttalib, fils de Mohamed Habib, fils de Sayyidi Mahmoud, fils de Sayyidi Bashir, fils de Sayyidi Mohamed Habib, fils de Sheikh Tijani. Ça, c'est le côté paternel. Le côté maternel, je suis le fils de Lala Zohour, fille de Sidi Tayyib, fils de Sidi Allal, fils de Sidi Ahmed Ammar, fils de Sidi Mohamed Al-Habib, fils de Cheikh Tijani. Nous habitons à la Zawiya de Dakar. Nous y sommes installés depuis la période de notre père dans les années 50. Et nous continuons dans la voie que mon père avait tracée, qui était la voie de Cheikh Tijani, et nous suivons. Et c'est nous qui avons, en quelque sorte, le contact direct avec tous les disciples de Cheikh Tijani qui sont à l'extérieur de l'Algérie et à l'extérieur du Maroc. Ça, c'est une responsabilité que nous avons hérité et qui, avec l'aide de Dieu, du prophète et du Cheikh, nous essayons de continuer. Inch'Allah, que Dieu nous aide tous. Que Dieu nous donne la possibilité de pouvoir satisfaire Cheikh Tijani. Si Cheikh Tijani est satisfait de notre travail et de nous, le prophète est satisfait. Si le prophète est satisfait, Dieu le sera, Inch'Allah. Et c'est ça la porte de tout ce qu'on peut appeler plaisir, voilà, réussite, voilà, tout ce que l'on veut. Que Dieu nous aide à essayer de faire le bien autant que l'on peut. Parce que la tariqa ne se limite pas rien que à la pratique religieuse, mais c'est la relation entre les gens. C'est la relation humaine et sociale entre les gens. Sans tenir compte de tribus ou bien d'ethnie ou bien de race. Dans n'importe quel milieu tidjane, vous pouvez trouver des gens qui viennent de différents horizons. Mais ils sont tous rattachés à Cheikh Tijani et à rattacher entre eux. Vous savez la filiation qu'il y a entre eux. La relation, le lien de fraternité qu'il y a entre eux. Les disciples de Cheikh Tijani, voilà, entre les musulmans en général, est largement beaucoup plus importante que la relation sanguine qu'il y a entre les gens.
ce n'est pas un discours de propagande, mais chacun n'a qu'à ouvrir son cœur et ressentir ça à sa façon. Je renouvelle mes prières à Cheikh Mansour. Je lui renouvelle aussi les autorisations que je lui ai données. Et tout en lui disant que je suis toujours avec lui de tout mon cœur, Inch'Allah. Et que je suis tout le travail entrepris par la Zawiya de Lyon. Je le suis de très près, parce que c'est notre intérêt à tous. Vous savez, quand vous trouvez quelqu'un qui peut vous aider à faire un travail, je pense que c'est tout à fait normal de pouvoir le suivre. En cas de réussite, d'en être heureux et satisfait. Je vous remercie.